Hey yo les gars, c'est Melo. Aujourd'hui nouvelle vidéo les gars, j'ai du très 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 lourd pour cette vidéo les gars. Tenez-vous prêts. Déjà, pour commencer la vidéo, on va reparler du teaser de la saison 3 qui vraiment est une tuerie. Et il faut qu'on en parle parce que je vous ai dit qu'hier c'était... ça prouve qu'on va avoir un partenariat avec Bob l'éponge. Il y a une deuxième possibilité si c'est pas un partenariat avec Bob l'éponge. Donc du coup, le partenariat avec Bob l'éponge, on est sûr du coup à 50% à peu près. Je vous remets le teaser, regardez, on en parle. Du coup les gars, hier on avait parlé de ce teaser que là j'ai en meilleure qualité. On avait parlé de ce teaser de la saison 3, le premier officiel. Regardez les palmiers derrière. Donc oui, effectivement, c'est vraiment pensé à Bob l'éponge. Mais il y a une deuxième possibilité. Epic Game, il y a presque un, je pense ça fait un an. Je vous mettrai en description les gars. Il y a un an, jour, non peut-être pas jour pour jour, Epic Game ont sorti un trailer où on voit Jonesy version en mode rescapé, vraiment sur une île déserte. Et sur cette île déserte, il y a trois palmiers. Donc dans ce trailer, on voit Jonesy voir le bus de combat qui est en train de voler au-dessus de son île. Et du coup, il sort un pistolet de détresse. Et on a une source sûre qui nous a dit que pour la saison 3, normalement, on aura une nouvelle arme qui sera le pistolet de détresse. Donc ça peut être vraiment bien. Et aussi pour tous ceux qui ont peur de la saison 3, ils nous disent qu'elle va être très 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 fun. Et que... nous allons avoir au fur et à mesure l'eau qui va partir. Donc au début il y aura plein d'eau et au fur et à mesure l'eau de la saison va totalement disparaître. Donc comme je vous dis les gars, vous pourrez aller voir en description. Je vous mettrai la petite vidéo qui a sorti Epic Game il y a un an quoi, c'était pour la saison 9. Et c'est juste dingue de se dire qu'ils prévoient des choses de il y a un an quoi, c'est fou quoi. Et là, après, vous verrez dans la vidéo, on va parler du visiteur. Il y a encore pire. Epic Game ont prévu l'événement de cette saison. Tenez-vous bien, ils ont prévu l'événement de cette saison depuis la saison 4. La saison 4 du chapitre 1. C'est incroyable. C'est incroyable. Se dire que depuis la saison 4, ils ont prévu tous les événements jusqu'à aujourd'hui. C'est dingue. C'est juste dingue, en fait, parce que ils prévoient des choses... Là, c'est 2 ans, quoi. Vraiment, c'est 2 ans. C'est fou l'abuser, hein. C'est fou l'abuser, les gars. Faut s'en rendre compte, quand même. Et maintenant, on va parler d'autre chose, du coup, du visiteur. Regardez ce que je vous affiche à l'écran. Du coup, les gars, comme vous pouvez le voir, je vous affiche à l'écran ce qu'a trouvé un data miner, donc un leaker, dans les fichiers du jeu. Il a trouvé un nom de code... du visiteur. Tout simplement les gars, le visiteur est de retour. Et je l'avais dit sur ma vidéo événement, qui vous pourrez aller la voir aussi, elle est sur ma chaîne. Sur la vidéo événement les gars, je vous avais parlé qu'on aurait le retour de... enfin qu'on nous présenterait un nouveau personnage du groupe des 7 qui va s'appeler le narrateur. Et donc ça prouve que les 7, le visiteur, sont de retour. Franchement, c'est bien que tu vois, ils rapportent des touches du chapitre 1 au chapitre 2, parce que ça manquait franchement. Et de voir un élément du chapitre 1 sur le chapitre 2, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai aussi quelque chose d'autre à vous montrer que vous allez câbler, que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous n'êtes pas prêts, vraiment vous n'êtes pas prêts. Regardez ce que je vous affiche à l'écran. Alors, c'est... si vous voulez, les streamers et les youtubeurs, on a tous reçu un mail qui est au-dessus de l'écran de chargement saison 4. Et donc, ça nous parle de l'événement Doomsday Dispositif. Et en bas, on a un écran de chargement saison 4, hein, les gars, saison 4. Où on voit marqué le mot Doomsday Dispositif. Depuis la saison 4, Epic Game ont prévu... c'est juste dingue. Epic Game ont prévu l'événement Dispositif Doomsday. Donc, le visiteur et les 7 ont un rapport avec Midas, avec le Doomsday, avec le dispositif. Donc, à voir ce qui va se passer. C'est juste fou. Moi, ça me hype de fou, hein. Vraiment, là, c'est des informations, les gars, que j'ai vues hier. J'étais choqué quand j'ai vu ça. C'est incroyable. C'est trop bien. Vraiment, je trouve ça incroyable qu'ils fassent des choses comme ça pour le chapitre 2.
Du coup, les questions à se poser sont pourquoi il est de retour, pourquoi ils sont de retour, pourquoi les sept font leur réapparition. Et de ce que j'ai compris, les gars, de ce que j'ai compris pour l'événement, nous allons être transportés. Attention, c'est un spoil, hein, mais pas vraiment. On peut pas vraiment spoiler un événement parce que je pourrais jamais vous montrer à quoi il va ressembler, donc je pourrais jamais vous spoiler entre guillemets. Pendant l'événement, les gars, nous allons être normalement téléportés dans le point zéro. Qu'est-ce que le point zéro? C'est la fin. Le point zéro, c'est ce qui a causé notre fin sur le chapitre 1, notre chère vieille carte du chapitre 1. Quand la météorite est rentrée dans le point zéro, ça a créé un trou noir, tout simplement. Et donc, de ce que j'ai compris, nous allons rentrer dans le point zéro, dans le trou noir. Donc, à voir ce qui va se passer pour l'événement, c'est assez glauque, mais faut voir. Franchement, faut voir. C'est assez bizarre, mais franchement, je pense qu'ils peuvent nous faire un truc de gain, de dingue, pardon. Et moi, je suis trop hype, je suis trop hype. Maintenant, les gars, on va parler instant boutique. Je pense que pour toutes les vidéos, on fera un instant boutique comme ça. Du coup, les gars, c'est demain dans la boutique d'objets. Donc, du coup, ce soir à 2h du matin, nous allons avoir le skin Loserfoot. Donc, le skin de la streameuse youtubeuse Loserfoot. Franchement, ce skin-là, il est trop bon. On dirait un skin Galaxy Slurp de Arc-en-ciel, c'est trop beau. Les chaussures, je les trouve trop stylées. Le jogging, je les trouve trop stylées. Le haut, je les trouve trop stylées. Elle a une queue de cheval. Elle est franchement, ça, c'est un skin trop beau. Et c'est pareil, le sac à dos, les gars, vous allez câbler, hein. C'est pareil, elle a une danse aussi que je kiffe trop. La danse, elle est trop bien. Franchement, ce skin-là, je vous dis direct, moi, je vais l'acheter. Là, j'ai 1500 V-Bucks et je remettrai 10 € pour le pass de combat, c'est pas grave. Mais ce skin-là, il est vraiment trop beau. Franchement, dans les skins icônes, ça peut être un des meilleurs skins icônes. Ah non, j'abuse quand même. Le skin Marshmallow, c'est le meilleur, les gars. Faut se calmer. Et du coup, on va parler de quelqu'un d'autre de aussi très important. Maintenant, les gars, on va parler de ce skin. Donc, pourquoi je vous le remets à l'écran? J'en ai parlé hier, mais pour ceux qui savent pas, les gars, on a une source sûre qui nous a dit que ce skin serait le skin secret. Donc, en gros, les gars, si vous préférez, s'il sort pas dans la boutique à 2000 V-Bucks, ça veut dire qu'on va le débloquer en skin secret. Franchement, il est trop beau. Même la cape, elle est incroyable. Donc, mais vraiment, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait ça en skin secret. Franchement, comme je vous dis, les gars, s'il sort pas dans la boutique à 2000 V-Bucks, ça veut dire que ce skin, on va le débloquer soit avec des défis ou qu'on va le débloquer soit après l'événement. C'est totalement possible, hein, parce que ils nous ont déjà fait ça pour pas mal de skins secrets. Je crois qu'ils avaient fait ça pour le scientifique. Et franchement, c'est vraiment possible, ça. Et comme je vous dis, c'est une source sûre. Donc, de toute façon, je peux pas vous afficher le tweet parce que je ne l'ai pas là. Mais c'est une source sûre. Donc, normalement, c'est juste pour prévenir que s'il ne sort pas dans la boutique, ça veut dire que ce sera le skin secret de la saison 2, pardon. Et que on pourra le débloquer gratuitement, normalement, pour tous ceux qui ont le pass de combat. Je rappelle, qui ont le pass de combat, c'est très important. Et puis, c'est un des skins les plus importants. Comme je vous dis, les gars, ce skin, attention spoiler, mais comme je vous dis tout à l'heure, on peut pas vraiment spoiler un événement. Ce skin-là, à l'intérieur, il y a Midas. Parce que Midas, pendant l'événement, les gars, va contrôler la tempête. Midas va contrôler la tempête. Mais de toute façon, Midas, c'est un gros malade, hein. Donc, à voir. À voir l'événement, il y a trop de trucs là. Une armure pour la tempête. Le retour des 7, le retour du visiteur, le retour de paradigme, un nouveau personnage, le narrateur. Ça fait beaucoup là, non? Et maintenant, les gars, on va parler de quelque chose que vous allez être très content. Regardez ça. Regardez ce que je vous mets à l'écran, les gars. Vous êtes beaucoup, 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 beaucoup. Je vais faire plaisir à certains. Vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que tu sais quand Marshmallow va revenir dans la boutique? Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la prochaine vidéo demain, je vous mettrai toutes les preuves qu'on va y avoir un concert en fête royale. Et comme ça, personne ne pourra me dire c'est du fake, c'est du fake. Je vous mettrai toutes les preuves qu'a mis Yanté sur son Twitter. Et là, l'écran, c'est pas officiel, hein. C'est un concept, je rappelle, c'est quelqu'un qui a créé ça. Mais c'est pour vous mettre un avant-goût du skin Marshmallow avec un style. Mais je pense que si il a un style, le skin Marshmallow n'aura pas un style comme ça, vous voyez. Je pense que il aura un style avec ses vêtements, tu vois, avec la marque Mellow Gang, comme ils ont fait avec Travis Scott pour sa marque. Donc genre une veste de Mellow Gang ou un truc comme ça.
Donc du coup les gars, je voulais juste vous montrer ça, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, code créateur the-iron-melo. Moi je vous dis à tout à l'heure comme d'habitude. Peace.